Salut à tous, ici TotalDeed et bienvenue pour le 12e épisode de la campagne avec Syracuse. Alors la dernière fois, on s'est emparé de Delminus, mais ce qui n'est pas fait attention, c'est que les Illyriens, ils avaient une armée cachée ici qui a attaqué mon territoire là, une autre armée qui a réattaqué mon territoire. Donc j'ai profité, je m'étais emparé de Massilia et de Gênes. Mon armée qui était à Gênes, je vais la redescendre ici avant de pouvoir se débarrasser de l'armée ici, tandis que mon autre armée tentera d'assiéger l'armée ici. Donc ça va se faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer tout de suite nos espions pour commencer à voler la nourriture des Illyriens. Là, ceux qui avaient fait les séparatistes de Syracuse, qui quand même maintenant, ça fait un certain temps là quand même. Depuis que je les ai chassés de Crète, ils continuent de traîner par ici. Ils se sont emparés de Pella. Donc j'ai fait une armée de mercenaires pour m'en emparer à nouveau. Et puis voilà. Ah, je crois qu'il y a des choses à améliorer. Là, qu'est-ce que je peux améliorer? Tiens, on va faire ça pour faire des batailles nocturnes. Là, avec ça, on va faire ça. 3 conversions culturelles, plus 2 de morale. On développe ça, et puis voilà. Donc ça va être un peu compliqué, ils vont peut-être s'emparer d'Epidamos, les autres Illyriens, mais à un moment je vais les avoir à l'usure. Souvent les Total War, quand c'est un peu serré, on arrive à les avoir à l'usure. Voilà, on va améliorer nos relations avec eux. Voilà, on va accepter. De toute façon, les ennemis sont très très loin. Ouais, bon, ça sert à rien de faire une bataille pour ça, là. J'espère que c'est vraiment définitivement la fin des séparatistes. On fait la bataille. Pour s'emparer à nouveau de Navissos. Je suis un peu fatigué. J'arrête pas de bailler, mais après je suis très content, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai passé plusieurs entretiens et je vais pouvoir aller travailler prochainement, si tout est validé à la toute fin, au Crédit Agricole en Belgique. J'irai travailler peut-être un an en Belgique, ça peut être pas mal sur le plan professionnel et personnel. Alors on fait ça, on met la cavalerie sur le côté, le général à l'arrière comme d'hab et on passe. Par contre on va arrêter de tirer. Les renforts ennemis sont en approche. Ouais, ils vont arriver par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le monde. On va fermer tout ça. Et on va aller... Si on pouvait s'orienter comme ça, ce serait génial. Voilà. Plus qu'à attendre. On va bientôt pouvoir tirer avec notre artillerie. Bientôt. Allez. Bon. Est-ce qu'on peut viser comme ça? Ah. Waouh, allez.
l'infinité cachée ont été découverts. Alors, je pense que si on pouvait plutôt tirer sur les unités de tir, ce serait peut-être déjà pas plus mal. Voilà, on va se débarrasser des unités de tir, comme ça ce sera parfait pour la suite. Ouais. On va utiliser notre général ici pour essayer de prendre un peu le dessus sur d'autres unités. Alors. Voilà. Oh oui. Voilà, ça c'est génial. Voilà. On attaque par derrière. Allez, le général qui se fait bousiller aussi. À l'attaque! On est en train d'envoyer des salves, on est en train de... Ouais, leur armée est en train de se faire tout simplement massacrer, quoi. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors là, on va tuer le général. Je m'en fiche, on tue le général. Faut pas laisser cette armée. Il n'y a plus de danger. On se débarrasse de ça. On va envoyer une armée ici.
On va envoyer une armée ici. Là, on se débarrasse de l'armée là. Donc là, on a repris notre territoire. Sauf que là, maintenant, eux sont... Il leur reste plus que ce territoire-là, mais ils n'ont pas une armée énorme pour pouvoir m'attaquer. Là, actuellement, c'est en train de se faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire ça. Tour en train de développer ça. Là, on va se débarrasser de cette armée, elle ne me sert plus à rien. Là, on a maintenant nos deux armées ici. Attendez, laissez-moi regarder quelque chose. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est autre chose. J'ai une armée là. J'ai une armée ici. J'ai une armée là. J'ai une armée ici. J'ai une armée ici. Ouais, donc on va dire c'est un peu... Pas mal, c'est pas mal réparti, on va dire. C'est pas mal réparti. C'est... Moi, je commence vraiment à fatiguer, moi. Parce que là, en plus, il faut savoir qu'actuellement, je suis en CDD à l'accueil d'une agence. Donc, c'est pas... Alors, je suis pas... C'est pas conseiller... On me dit que je suis conseiller d'accueil, mais bon, je suis agent d'accueil, je délivre les chéquiers, je récupère les gens qui se plaignent, voilà. Et les personnes. Bah dès que ça sera terminé, et ben direction la Belgique. Et là, je serai content. Voilà, ça c'est beau. On se débarrasse de tout ça. Ouais, c'est en train de se faire là. Tout est en train de se faire. Maintenant qu'on a récupéré notre territoire, l'objectif sera de nous étendre. J'ai envie de prendre ce territoire là. Mais eux sont alliés avec les Suèves. Et les Suèves, ouais, en gros, c'est simple. Si je déclare la guerre, mon front, ce sera tout ça. Donc là, il faudrait que je réorganise mon armée. Genre une armée ici qui va aller là. Une armée qui va aller ici. Donc ça fera ça et ça. L'autre armée qui va attaquer là. Une armée qui va attaquer là. Et donc il faudrait que je fasse une autre armée pour attaquer ici. On va reprendre l'armée des Poséidons là. C'est... On va faire ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah! On va faire la bataille parce que ça peut être une bataille assez intéressante à faire là, le fait de se défendre comme ça. Ah, en plus j'adore ce type de ville là, avec ses trois niveaux. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. On va juste laisser notre armée ici. On va rester au dernier niveau. On va bloquer les derniers niveaux, là. On va bloquer les derniers niveaux. On va les laisser monter. Et on va les laisser se faire massacrer la gueule par toutes nos unités de défense. Alors. Et par nos archers, évidemment. Il y a ça. Non, non. On va laisser comme ça. J'adore faire ça. Pourquoi il tire pas? Non, on s'en fout de détruire les échelles. En plus, ça va être un moyen d'entraîner mes archers aussi et mes troupes d'infanterie.
C'est magnifique. Voilà. Bon, cette armée, elle est pas mal anéantie. On va tirer sur d'autres unités. Alors là, on bombarde. Hein. Là, c'est vraiment. On vide toutes nos munitions. Ah merde! Complot! Mais je crois que l'une des unités où c'est. Où, l'une des unités. Ah, elle tire pas celle-là! L'une des unités où c'est le plus amusant à le faire, ce sont les unités d'artillerie dans Shogun 2 et Fall of the Samurai. Les canons là. Les gros canons qui font partie. Selon moi, des unités les plus cheatées de l'histoire des Total War. Les canons là de. Les canons dans Fall of the Samurai qui ont une portée de malade et qui vous dégomment tout sur votre passage. C'est magnifique. Donc là, je massacre au maximum pour. Voilà, pour faciliter le. Le travail pour la suite. Les hommes sont hésitants. Je sais pas si j'aurai le temps de vider toutes mes munitions là. Voilà. On va là, eux, on va les empêcher de tirer pour l'instant. Pareil. Eh, on va faire un test. La 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 la. Oh oh oh. Ouais. Mais non, mais si, allez. Bon, si ça brûle un peu à des endroits, c'est tout à fait normal. Les mecs, ils ont toujours pas atteint le dernier étage. On va attendre, pas maintenant, pas quand il y a la cavalerie, c'est pas, on va pas mettre les archers quand il y a la cavalerie. On va attendre que l'infanterie arrive. L'ennemi a détruit une tour. Feu! Regardez ça. Mais non, c'est un massacre. Mais non, c'est. Et mes archers, voilà, ça va leur faire un peu d'expérience. Oh oui, 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 allez. Bah, ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent, hein, furet. Et là, ils vont vouloir passer par le petit chemin, mais il y a mes archers qui les attendent. Ah là là. Alors, regardez, on peut voir le désastre sur le chemin. La bataille tourne en notre faveur. Voilà. Et au final, eux, ils vont tellement. Putain, ils se font attaquer par derrière, sur le côté. Et en gros, quand ils vont arriver devant, ils vont être accueillis par deux grosses unités, là. Mais là, c'est.
Là, leur contre-offensive se transforme en un désastre. Hein. Regardez leurs unités comme elles se sont faites. Mais oh, leurs unités se sont faites. Regardez comme mes unités là, elles avaient deux barres ou trois barres bronze. Maintenant, elles sont passées argent. Là, c'est monstrueux. Et en plus, regardez, j'ai. Ah oui, d'accord, j'aurais pu les bloquer là, mais j'aime bien les bloquer ici aussi. Ouais, c'est peut-être stupide de ma part, j'aurais dû les bloquer là. Mais de toute façon, regardez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec leur avec des unités à moitié à des moitiés anéanties, je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon ben, je pense que la messe est dite, hein, comme dirait mon père là, ou ma mère, la messe est dite. Mais regardez le carnage au niveau du chemin. Donc, et les unités qui sont en train de fuir, qui sont encore dans la ligne de mire de mes archers, se font atomiser. C'est hallucinant, regardez ça. Et là, mes archers, c'est vraiment ne laissez pas fuir des types comme ça. Vraiment, vous les achevez. Alors, elle se fait depuis tout à l'heure tirer dessus par l'unité adverse. Donc, on va attendre un tout petit peu. On va reculer parce que la tour est en train de me faire trop de dégâts. Eux, ils arrivent à tirer ici. Donc, c'est bien. Donc, c'est très bien là. Voilà, bon, c'est la fin. Ça a été un désastre pour eux. Regardez, j'ai perdu 99 hommes, eux ils en ont perdu 1857. Par contre, le général n'a pas été tué, donc je sais pas. Ouais, il est pas encore mort. Mais par contre, prochaine bataille, il va mourir. Qu'est-ce que je pourrais construire en plus? Ça, c'est tout bon. Je peux faire. Il me manque peut-être un peu de nourriture. Ah, il y aurait peut-être ça là, moins. Regardez, plus 4 de conversion. Ça peut être pas mal ensuite pour quand je vais attaquer des territoires barbares. Donc là, on est en train de développer ça. Faudrait aussi que je construise pour la nourriture, moi. J'ai l'impression qu'il va me manquer beaucoup de nourriture. On va développer ça et ensuite on développera ça. Donc, j'ai une armée qui va faire une offensive ici, qui va attaquer ce territoire-là. Cette armée qui va attaquer ce territoire-là. L'armée qu'il y a ici va attaquer ici pour ensuite revenir là. Cette armée va revenir ici. Mes deux armées vont attaquer un territoire là, un territoire là, et après ils vont se répandre ici. Par contre, je me rends même plus compte depuis combien de temps je tourne. C'est pas grave. C'est pas grave, on est bien, on s'amuse, on est tous ensemble.
Bon, allez, on va les terminer maintenant. Ah, je vois qu'il y a des rebelles là-bas. Ça veut dire que je pourrais m'emparer de Yader sans leur déclarer tout de suite la guerre. On va attendre et en espérant que... Non, non. Par contre, ce serait bien que on puisse améliorer encore plus nos relations avec les Gaulois. Comme ça, ils pourraient nous aider à affronter nos ennemis. Voilà. Ou est-ce que j'utiliserai pas cette armée? Merde, je me suis trompé. Est-ce que j'utiliserai pas plutôt cette armée pour m'emparer de la ville? Vous savez, cette armée-là va s'occuper de s'emparer des... peut faire ce territoire-là et ensuite revenir ici. Cette armée, voilà, cette armée utilise attaque ce territoire et cette armée attaquerait ce territoire. On va essayer d'améliorer quand même le bientôt le quand même le comment ça s'appelle? J'y arrive pas à trouver le nom. La loyauté. Eux, on va les envoyer voir les Arvernes. On a besoin d'eux et on a besoin des Arvernes. Eux vont améliorer nos relations avec le royaume d'Afrique. Toi, on va éduquer l'héritier. Voilà. Résumé, on est quand même encore assez fort. On pourra bientôt passer à 5 d'Hyperium, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je ferais que je capture d'autres territoires. Et ensuite, on pourra devenir un véritable empire. Et quand on deviendra un empire, cela améliorera la loyauté de tous les autres partis. Ça sera pas mal, ça. Parce que bon, une guerre civile, ça va. Ça va quand on n'a pas un territoire très développé. Mais par contre, quand on commence à avoir un territoire très grand et que ça peut arriver de n'importe où sur des grandes surfaces et qu'au final on est face parfois à un royaume entier contre nous, ça peut être très compliqué. Surtout si certaines de nos armées se retournent contre nous ou si nos armées pour se défendre ne sont de l'autre côté de notre territoire quand même. Ça c'est compliqué. Pénalité de technologie, mais enfoiré. Voilà. On va préparer notre armée. Et là, on va rester comme ça change rien. On a également beaucoup d'argent dans les caisses, ça fait plaisir. Ah. Ils n'ont pas réussi à s'emparer du territoire. De toute façon, on va attendre encore un peu. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout, on est très bien. Que Dieu bénisse celui qui accepte l'or avec la... J'accepte. Comme ça, on aura des alliés qui pourront protéger si on a une... De toute façon, ils sont en guerre aussi. Donc, en attaquant le sud, l'ennemi sera sur plusieurs fronts. Ça sera très compliqué pour eux de nous repousser complètement.
Bon, il faudra se préparer à ce qu'il y ait deux, trois armées qui nous tombent sur la figure, mais je pense que ce sera réalisable. Je me rends compte d'un truc. J'ai même assez d'argent pour faire au final une autre armée qui va aller, que je vais recruter ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire ici? Voilà. On va faire ça. On laisse de la place pour quand on va faire l'artillerie. Au final, cette armée va attaquer ici. L'armée va attaquer là. Cette armée va attaquer là. Et ensuite, les deux armées partiront ici. Cette armée restera ici. Celle qui est là, tac, tac. L'autre armée, cette armée ici et ici. Et cette armée fera ça, ça et ça. Donc là, on se prépare. Et dans le prochain épisode, il y aura la grosse offensive. Il faudra par contre, faut vraiment que ce soit une attaque éclair, c'est-à-dire faut vraiment attaquer le plus rapidement possible. Voilà, bon, on va accepter. C'est vraiment attaquer rapidement, s'emparer du plus de territoire possible d'un seul coup pour leur faire mal économiquement, en termes de nourriture, tout ça. Faut vraiment, ah putain, je perds beaucoup de quand même de généraux. C'est vraiment, faut se préparer à ça. Voilà, on va avancer notre armée ici. On va envoyer notre armée ici. Ah, vous dites, on va se préparer petit à petit là, ça va être violent. C'est quoi ça? Voilà, plus 4% de conversion culturelle, moins 20% d'action politique, plus 15% de richesse. Mais après, il faudra que je débloque les technologies pour la nourriture parce que je me rends compte que là, sur le plan nourriture, je suis quand même passé à un moment de 80 à. Voilà, il me demande un gros paiement, mais je vais quand même accepter, quoi. Comme ça, on améliore nos relations. Alliance militaire, allez. Je trouve que par contre, c'est un peu le truc qui me saoule un peu dans ce jeu, c'est le fait que parfois vos alliés vous demandent plusieurs fois alliance militaire, alliance défensive, alliance militaire, avec plein d'argent derrière. Voilà. Et j'y pense, on va aller là. Et voilà, on va améliorer tout ça. On améliore évidemment tout ce qui est la recherche, car on a besoin de faire beaucoup de recherches pour pouvoir aller très vite au niveau de la technologie. Ouais, le peuple est content, le peuple est content. Tout le monde est content, moi je suis très content. Non. Ah oui, faut. Voilà. Donc là, c'est parti. On va commencer à approcher nos armées. Voilà. La prochaine armée va attaquer. Cette armée va approcher ici. Cette armée-là va être. On va attendre un tout petit peu encore. Voilà. Voilà. Cette armée va s'approcher ici. Donc voilà, je vous montre l'état des lieux. Nous avons une, deux, trois, quatre, cinq armées. Et cette armée-là, l'objectif, ce sera presque dans le prochain épisode, si vraiment on s'en sort bien, vraiment. Même pas forcément le prochain épisode, mais si par exemple, après une grosse offensive, on puisse s'emparer de toute cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là. Surtout qu'on voit qu'en plus, regardez, là, ils sont les Gaulois et leurs amis, les Lusitaniens, sont en train de faire de bagarrer ici. Donc moi, je vais envoyer toute mon armée là. C'est-à-dire que les autres, ils doivent avoir leur armée par ici. Moi, c'est faire. Voilà.
Mais on fera ça au prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Syracuse. Au revoir.